L'homme est vide des autres. Il les élimine de lui par peur d'être l'autre. L'homme a peur d'être l'autre tant qu'il lui déniche des défauts. On pourrait alors penser que l'homme est plein de lui, étant vide des autres. Regrettable est de constater que, non, en effet, s'il trouve les autres faux et incapables d'être lui, il sait quand même que quelque part dans leur fausseté, ils sont lui, parce qu'il est faux lui aussi. Donc, incapable d'être l'autre à son tour, il se nie lui-même et nie les autres. En fait, l'homme est un nihiliste inavoué. La seule chose qui pourrait les relier, c'est leur fausseté et leurs hypocrisies. Car c'est bien là la dernière essence de l'homme, et pourtant, c'est si apparemment faux.